même quand ils ont 14 ans jusqu'à 22 ans. Et je suis très contente de vous accueillir. Les vos correspondants vous attendent avec impatience aussi. Ils ont hâte de vous rencontrer. Dans la serre de la tête d'or pour la vidéo, oui. La vidéo pour l'école. Oui, ça va. Je n'ai pas ma voix. Oui, on a vu, on est vraiment fatigué. Oui, d'accord, au revoir, à la prochaine. Troisième échange, je crois, troisième échange avec Arezzo. Alors, on est heureux d'accueillir Massimiliano et Angela. Et puis, tous les Italiens, moi, je ne vous ai pas rencontré. Alors, levez la main, les Italiens. Ils m'ont compris, oui. Voilà. Vous êtes bien du côté italien, donc l'Italie d'un côté, un autre Italien. Et puis, bon, vous êtes bien arrivés, ça se passe bien. Oui. Bien. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez visité ces jours-ci? Sanza. Le parc La Tête d'Or. Voilà. Quoi d'autre? Le musée Gadagne. Le Bellecour. Bellecour. Bellecour, c'est joli. Tout à fait. Puis vous allez visiter Confluent, je crois. Quoi d'autre encore? Demain. Vous allez. Thomas. Les Beaux-Arts, au musée des Beaux-Arts. Un très bon. Lundi. Il y a une exposition Matisse. Vous en profiterez, j'espère. C'est une très belle exposition. Donc, bienvenue et on est heureux de vous accueillir. Donc, les jeunes Italiens sont une vingtaine. Il faut organiser la maison, il faut essayer d'accueillir. C'est compliqué, vous faites des efforts. Et on sait très bien que ça demande de l'anticipation. Et puis, en même temps, il faut que le rythme scolaire soit maintenu. Donc, il y a un véritable effort pour les élèves, pour les parents qui accueillent. Et là, on vous remercie très... Je vous dis bonsoir en nom de toute ma classe et du proviseur de notre école. Je vous donne... On vous donne cette plaque sur laquelle il y a les emblèmes de nos écoles. C'est pour vous remercier d'être ici aujourd'hui à Notre-Dame des Minimes. Nous espérons d'avoir de belles vacances avec vous. Apri-glielo, dites-le. Ouvre-le. Il semble les cartons d'une pizza, sinon. J'ai très faim. Bravo. Regardez un peu. Ça va bien. Alors. Cette plaque pour vous remercier d'avoir organisé cet échange culturel à Lyon avec les lycées Vittoria Codoni. Merci beaucoup.
Grazie. Donc c'est vraiment gentil à vous voilà, d'essayer de les impliquer, de faire en sorte qu'ils se trouvent vraiment bien. Et merci énormément à Massimiliano, à Angela. Grazie Massi, nous connaissons depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir voilà, de retourner en Toscane, qui vous aurez l'occasion de le découvrir, est vraiment une région magnifique. Et je pense que l'échange, c'est vraiment un moment important parce que forcément, on étudie la langue, mais c'est beaucoup plus que ça parce qu'on se rend compte vraiment du mode de vie. On participe aux cours, on partage des moments en famille, des moments aussi entre amis. Donc, on ne découvre pas simplement un correspondant, on rencontre ses amis, on rencontre sa famille, on rencontre une région magnifique. Et je pense que pour tout ça, ça vaut vraiment le coup de faire cette expérience parce que c'est une expérience linguistique, culturelle, mais aussi humaine. Et quand on voit que les correspondants gardent contact par la suite et qu'ils se revoient, je crois que c'est le plus beau des cadeaux, c'est ça. C'est vraiment l'amitié qui peut se créer et l'envie justement de découvrir une autre culture et d'aller vers l'autre. Donc vraiment merci aux élèves, merci aux parents et j'espère vraiment voilà, que vous passerez une bonne fin de séjour et que... Et que nos Français se trouveront bien aussi en Italie, mais ça je m'en doute pas, parce que je ne parle pas que de la glace et de la pizza, c'est le package. Voilà, merci vraiment à tous, et puis je laisse la parole. Oui. Siete fortunati di creare l'Europa. E avec cet échange, vous faites vraiment l'Europe. Ce n'est pas l'Europe des banques, mais c'est l'Europe de la culture, de l'amitié. Et merci à Blandine, merci à Monsieur Michel, merci à toutes les familles. Et la prochaine année, on continuera. Au revoir.
Ouais. Bravo. Et la monnaie, ouais. Ora tocca a te. Sei pronto? Mi metti qua. Sì, ora che immagino. Aspetta, aspetta, Forza. Ok. Non avere paura. L'hai girata? Bravo! Ragazzi, vous êtes tout maigre, vous êtes encore. Mais à petite chose, je crois.